Nice va essayer de rebondir en accueillant Clermont, le 9e contre le 11e. Deux points d'écart entre ces deux clubs. Des Niçois qui ont connu quelques jours auparavant une grosse déception avec une défaite 2-1 contre l'équipe suisse de Bâle. Après prolongation en quart de finale retour de l'Europa Conference League, signifiant l'élimination des Aiglons. Ils restent en plus sur deux défaites et sur 6 matchs sans victoire en Ligue 1 Uber Eats. Ils essayent d'attaquer le match par le bon bout contre Clermont, qui est une des équipes les plus en forme du championnat. Les Auvergnats restent eux sur 3 victoires de suite. Et même si Seydou et Neto Borges sont suspendus, les Clermontois sont en confiance, ça se voit. La première possibilité en contre-attaque, ça passe juste à côté. Dommage pour Rachani et pour Clermont. La relance niçoise, mais ce n'est pas bien assuré. L'interception clermontoise avec ce ballon bien donné dans la surface. Et le but du 1-0 pour Clermont. Quelle erreur des Niçois. C'est sanctionné par un but. Gastien peut servir ensuite Mohamed Cham. 1-0 grâce au joueur autrichien à la 37e minute. Il marque son 7e but de la saison. Une jolie conclusion pour Cham. Il vient battre Kasper Schmeichel et permet à Clermont de mener à l'extérieur. Le score est de 1-0 pour Clermont, mais Nice réussit à réagir avec cette série de dribbles réussie. La frappe, le poteau et la reprise de Gaëtan Laborde. L'égalisation des Aiglons juste avant la pause à la 41e minute. Laborde marque son 11e but de la saison. Son 9e avec Nice, car il avait débuté en début de saison avec Rennes. Très joli travail de Buanani au départ de l'action. Il en est responsable. Le poteau l'empêche de marquer, mais Laborde a bien suivi. Et le score est de 1 but partout à la mi-temps. Konaté remplace Alevina à la pause pour Clermont. Et les visiteurs continuent à être plutôt en confiance sur le terrain. Nice repart de l'avant pour essayer de remporter ce match et se relancer. Mais superbe parade de Mori Diao. Il empêche Buanani de marquer sur ce coup franc. Une action supplémentaire pour les Aiglons avec un espace à exploiter. Laborde pour le doublé, c'est encore sauvé par Diao. Nice a eu plusieurs balles de match mais n'a pas réussi à marquer le deuxième. Le score de 1 partout reste en l'état. Le chronomètre tourne et Clermont repart de l'avant. Saïfeddine Raoui est entré sur le terrain. Nouvelle action clermontoise avec Grejon Kiey. Il sert de point d'appui et donne à côté de lui à Raoui. Le deuxième but de Clermont à la 83e minute. Cinquième but de la saison pour l'international tunisien. Saïfeddine Raoui, bien placé, vient marquer le but de la victoire pour son équipe. Nice n'a pas réussi à marquer le but de la gagne et craque même dans les dernières minutes. Victoire de Clermont sur un score de 2-1 sur le terrain de Nice.